De renforcer les capacités linguistiques et culturelles chinoises, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a organisé, samedi le 8 avril 2023, à son siège, un concours de la chanson chinoise. Avaient participé à cette compétition les élèves du poste fondamental et les étudiants des institutions d'enseignement tant publiques que privées, sous l'encadrement étroit des enseignants chinois et burundais. Les directeurs de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi ont précisé l'objet et les profils des participants à ce concours. Dans les organisations culturelles de l'Institut Confucius, il y a une rubrique des concours. On peut faire des concours dans la chanson chinoise, on peut faire des concours dans le club de coupe-papier, on peut faire des concours dans le kung-fu chinois. Et tout ça, et ça fait partie de l'apprentissage de la culture chinoise. Et parce que à l'Institut Confucius, on n'enseigne pas le chinois, juste parler et écrire, mais on ajoute aussi l'appréciation et l'assimilation de la culture chinoise. Donc la chanson chinoise, alors, c'est l'une des facteurs très importants de la culture chinoise, l'un des éléments importants de la culture chinoise, et c'est pour cela que nous avons commencé par l'organisation du concours de la chanson chinoise pour ces élèves étudiants de l'Institut Confucius. Les participants au concours sont des étudiants de l'Université du Burundi et des universités privées, ainsi que les élèves des écoles post-fondamentales. En général, c'est post-fondamental. Les élèves de fondamentales n'ont pas encore la capacité suffisante pour apprendre et assimiler bien les langues chinoises. 学唱中国歌曲，学习中国语言。 Apprendre à chanter les chansons chinoises, apprendre à parler le chinois. Nous avons reçu un grand soutien de la part des enseignants et des étudiants de l'Institut Confucius, ainsi que les autres soutiens extérieurs pendant la première partie de la compétition de la voix Institut Confucius de l'Université du Burundi, la compétition de la chanson chinoise. 此次比赛大约有35名学生报名参赛，经过激烈的角逐，最后有15名选手胜出，参加今天的比赛。在此，我要特别感谢参与此次比赛的所有成员，感谢参加比赛的所有选手，感谢不辞辛苦指导他们参赛的孔院教师。 Environ 35 étudiants ont participé à cette compétition et après la compétition archergée, 15 parmi eux ont gagné et participent à la finale aujourd'hui. Je voudrais remercier le groupe de planification et à organiser cette compétition et les participants à cette finale et les enseignants de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi qui travaillent sans relâche pour guider les participants de cette compétition de la chanson. Le recteur de l'Université du Burundi, éminent hôte à ces festivités, tout en soulignant que cette édition est inédite, a vivement rendu hommage à la collaboration institutionnelle avec l'Institut Confucius de l'Université du Burundi. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi a organisé pour la première fois le concours de la chanson chinoise en collaboration avec l'ambassade de Chine au Burundi. Cela constitue un témoignage éloquent de l'amitié et l'intérêt que la République populaire de Chine, à travers son ambassade du Burundi, manifeste envers notre institution universitaire
en particulier et notre pays en général. Je salue donc, et très particulièrement les programmes et appuis multiples de cette ambassade qui reste un des principaux partenaires actifs de l'Université du Burundi dans le domaine de la culture et de la chanson. Alors, je profite de cette occasion pour féliciter également l'Institut Confucius de l'Université du Burundi pour ses nombreuses réalisations et, en l'occurrence, l'organisation de ces cérémonies. Les différents orateurs sont revenus sur les bienfaits moraux et thérapeutiques de la chanson sur la personne humaine. On n'a pas besoin de rappeler que la musique a des effets positifs sur notre santé, sur nos émotions. En effet, la chanson ou la musique peut influencer la perception de l'effort et faire oublier l'état de la fatigue. Elle stimule la créativité, améliore les capacités cognitives comme l'attention, la mémoire. Elle est motivante et source de plaisir car elle donne l'état de bien-être et émotions positives. Elle a été continue d'être un remède contre le stress. Elle agit positivement sur notre humeur, notre cerveau et nos relations avec les autres. La musique recrée la personne. Si vous aimez chanter, si vous aimez écouter de la musique, sachez que vous ajoutez quelque chose sur votre vie. Moi, personnellement, j'aime la chanson. J'aime beaucoup chanter. C'est pour cela que j'encourage les formateurs et les formés à aimer la musique. 音乐不分国界，它是心灵的交流、情感的表达、思想的共鸣。它是人类最美的语言。La musique est la combinaison du cœur, l'expression des émotions et la renaissance des idées. Qui n'a pas les frontières des pays, la musique est la plus belle langue humaine. L'organisation d'un tel événement aiguise les talents des jeunes sur plusieurs plans, a souligné le recteur. L'organisation de ce concours de la chanson à l'Institut Confucius de l'Université du Burundi est une bonne occasion offerte à nos jeunes étudiants et élèves d'exhiber leur talent dans le domaine de la chanson, mais également aux professeurs chinois de l'Institut Confucius et aux autres Chinois résidant à Bujumbura de contempler et de savourer les richesses culturelles des lauréats et lauréates qu'ils ont formés. Parce que quand on est formateur, on est content de voir les fruits de ce qu'on a formé. C'est également un cadre d'encouragement de la création et de révélation des talents dans ce domaine, non seulement pour l'Université du Burundi qui héberge cet institut, mais aussi pour les jeunes des autres établissements tant secondaires qu'universitaires. Il n'a pas manqué de féliciter les participants et les heureux gagnants à ce concours. L'Université du Burundi restera disposée à la promotion des cultures sino-burundaises, a renchéri cette hôte. C'est pour toutes ces raisons que je félicite, au nom de toute la communauté universitaire, à mon nom propre, tous les lauréats qui ont participé au concours, car ils ont eu un moment d'explorer la richesse de leurs talents en se mesurant aux autres. Sachez qu'en musique aussi, l'important est de participer et de ne pas être le second de soi-même. Au demeurant, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi s'est engagé à promouvoir non seulement la langue et la culture chinoise et burundaise, mais aussi à former le futur responsable du pays en proposant des moyens et des programmes permettant de faire progresser les talents culturels pour plus d'impact. Quant à l'Université du Burundi que je représente ici, elle est et restera disposée à appuyer toutes les initiatives visant à créer des perspectives et des opportunités de mise en œuvre des programmes de promotion culturelle pour l'épanouissement de notre jeunesse, combien utile au développement des pays. Les perspectives à court, moyen et long terme, ainsi que les opportunités à la portée de ces jeunes polyglottes en général et sinophiles en particulier, sont esquissées par le directeur de l'Institut Confucius. En organisant ce concours,
nous visons qu'à long terme, on puisse former nos étudiants, donc les étudiants et les élèves de l'Institut Confucius, qui seront appréciés dans l'assimilation de la chanson chinoise, à faire peut-être un concert, à développer leur talent dans la chanson chinoise, jusqu'à devenir même des stars dans la chanson. Non seulement la chanson chinoise, mais ils peuvent s'entraîner avec la chanson chinoise, mais devenir des stars, même dans d'autres chansons, qui nous lient, ou dans d'autres langues, etc. Nous les formons. Quand ils deviendront performants, ben ils peuvent conquérir avec les autres stars dans la compétition des chansons. Non seulement chansons chinoises, mais même dans d'autres chansons aussi, qui nous lient français, et c'est pour les former, développer leur talent, et pour pouvoir peut-être aller participer dans d'autres concours beaucoup plus élevés, et pour d'autres stars. Oh.